Et ben voilà, on a tout raménagé comme Max voulait. C'est vrai que c'est vraiment pas mal comme ça. Ouais, c'est vrai, moi j'aime beaucoup aussi. Pff, moi je trouve que le mien c'était le meilleur, hein, mais bon. Comme toujours, on choisit Max. N'importe quoi, fais pas ta jalouse, Lola. Je fais pas ma jalouse. D'ailleurs, il est où lui? C'est vrai que je l'ai pas vu depuis ce matin, Max, il est où? Il doit être dans sa chambre, je dois aller le voir. Et maman, tu veux pas fermer la fenêtre, s'il te plaît, il fait super froid. Hop là, merci. Bon, quand même, c'est pas mal l'idée de Max, hein, c'est joli. Ouais, bon, ok, j'avoue, il est pas mal. Mais bon, le mien, il était quand même bien aussi, non? Mais oui, ah, le voilà. Ben alors, Max, qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais pas, je me sentais pas bien. Je pense qu'il est malade, hein. Tu sais, il y a l'épidémie de grippe et de gastro qui tourne en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Quoi? La gastro? Lola, commence pas avec ça. Maman, tu sais, je rigole pas avec ça, c'est ma phobie. En plus, depuis l'épidémie dans le camping-car, là, ça m'avait encore plus perturbée. Max est malade aussi. Oh non, ça fait deux malades dans la maison. Allonge-toi, Max, je vais aller chercher le thermomètre. Oh non, je vous jure, s'il est malade, je viens plus jamais dans cette maison tant qu'il est pas malade, je sors d'ici. Lola, t'as pas l'impression que t'abuses un peu? Non, papa, je rigole pas, je déteste ça, vraiment. Lève cette main de devant ta bouche. Ça se trouve, Max, il a juste un rhume. Tu vas pas mourir si t'as un rhume. Non, mais quand t'as un rhume, t'es pas si fatigué. Alors je préfère mettre ma main ici, comme ça je suis sûre de pas être malade. N'importe quoi. Et Lola, tu sais que mettre ta main devant ta bouche, c'est encore pire, hein, parce que tous les microbes que t'as touchés vont venir dans ta bouche. Hein. Ah, c'est vrai ça. Vite, du désinfectant. N'importe quoi. J'ai trouvé le thermomètre. Ben, allez, passez-vous, Lola. Oh, elle est partie en quarantaine, t'inquiète pas. Ah, elle abuse. Allez, viens, Max, je vais prendre ta température. Oula, 39,7, ça rigole pas, dis donc. On va te ramener un médicament. Non, c'est sûr, il est malade, il va me contaminer. Oh non, 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 non. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Lola, tu rigoles? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as sur le visage encore? Mais ça se voit bien, mais papa, tu sais, mieux vaut prévenir que guérir, moi je dis. Alors Max, est-ce que t'as mal au ventre ou mal à la tête? Est-ce que t'as envie de vomir? Et qu'est-ce qui va pas? Dis-moi tout. Lola, laisse-moi. Mais dis-moi juste, est-ce que t'as envie de vomir ou t'as mal au ventre? Non, Lola, laisse-moi. Oh, mais des fois, tu sais, on n'a pas envie de vomir quand on a une gastro, mais on a quand même mal au ventre. Est-ce que t'as mal au ventre? Lola, laisse ton frère. Enlève-moi ce truc de ton visage. Oh là là, vous comprenez rien, c'est comme ça qu'on se contamine tous, hein. N'importe quoi. Ben moi, s'il veut me chercher, je suis dans la cuisine en sécurité. Surtout, Max, il faut pas qu'il vienne ici, parce que ici, c'est une zone saine, ok? D'accord, Lola, donc si t'es dans la zone saine, tu peux enlever ce fichu masque. Allez, tiens, Max, bois ça, je vais appeler le docteur en attendant. Bon, maintenant que je suis dans la zone saine, maman elle a raison, je peux enlever ce masque. Ouah, ça fait du bien, je peux respirer à nouveau. Bon, faut surtout pas que j'aille dans le salon parce que l'air est contaminé là-bas. Bon, bref, mon désinfectant. Alors, c'est une recette magique, donc il me faut mes deux savons plus du désinfectant. Alors, on va tout mélanger là-dedans. Ce savon, ce savon et du désinfectant. Maintenant, on va tout mélanger. Voilà. Bon, ça sent bizarre et ça a une couleur bizarre, mais ça doit super bien désinfecter en tout cas. Lola, qu'est-ce que c'est que ce truc? Nettoie-moi ça, j'ai besoin de la bassine pour Max. Quoi? Ça y est, il a vomi? Lola, arrête avec ça. Ton frère a sûrement pas une gastro, il doit avoir une angine ou même juste un rhume, ça se trouve. Mais pourquoi il a besoin d'une bassine alors si c'est pas pour vomir? Pour mettre de l'eau tiède pour lui mettre sur le front, Lola. Ah, d'accord. Il arrive quand le médecin? Bientôt. Maintenant, donne-moi cette bassine et range-moi tout le bordel. Oh, vous inquiétez pas, madame. C'est même pas une grippe, hein. C'est juste une petite angine. Ah, bah ça me rassure alors. Oui, vous inquiétez pas surtout. Je vous donne des médicaments. Il faudra juste lui donner ça pendant une semaine et ça ira mieux. Ok, bah merci beaucoup, docteur. Au revoir. Alors, il a juste une angine? Oui, Lola, il a juste une angine. C'est bon, t'es rassurée? Ah, ok. Cool. Enfin, pas cool pour lui, mais Tom, enfin, c'est mieux qu'il ait pas un autre truc, genre une gastro. Ah là là, qu'est-ce qu'on fera quand tu seras malade, Lola? Eh ben, je serai jamais malade.